Bonjour à tous, toute la presse écrite et la presse parlée. Merci, je suis de nous répondre à l'invitation de notre conférence de presse de ce matin. Alors, la conférence de presse d'aujourd'hui a trois volets. Premier volet, nous causons un grand élan de solidarité qui finit là suite à une démission du gouvernement. Et aussi, nous vous répondons à une fausseté qui m'a qualifié de nous dire. Et troisièmement, nous causons un grand congrès qui nous est organisé ce week-end-ci, plus précisément dimanche. Alors, Vivien Rohr, qui, quand elle partit, démissionnait. Le PMSD finit démissionner du gouvernement la semaine dernière. Et finit là une très grande solidarité, nous capables de dire une quasi-solidarité de tout le monde envers le leader Xavier Duval et aussi envers le parti. La majorité, pour ne pas dire presque tout le monde, qui a un poste de responsabilité dans le parti, finit suivre le parti dans cette décision. D'ailleurs, comme je le connais, au niveau parlementaire, il y a une solidarité sans précédent. PPS Thierry Henry, moi-même, PPS Aurore Perrault, nous sommes solidaires avec Xavier Duval qui est le leader du parti, et nous sommes démissionnés de nos postes. Nous sommes trouvés aussi que tous les conseillers municipaux nous sommes montrés de solidarité envers le parti, et de soutenir le leader et le parti. Nous sommes capables aussi de dire que la majorité des nominés politiques finit démissionner de ce poste aussitôt qu'ils nous finissent quitter le gouvernement. Nous sommes capables aussi de dire que nous, au niveau du PMSD, dans un élan de solidarité, loin de base humanitaire, nous ne finissons pas tout le monde démissionner. Certains du monde qui vont salarier, nous disons déjà juste, mais restent en poste. Nous avons aussi connu qu'au niveau de l'ambassadeur, nous ne finissons pas tout le monde démissionner de ce poste, parce qu'ils ont connu qu'un ambassadeur, sur l'application est beaucoup plus grand, ma famille finit installée là-bas, etc. Mais nous restons assurés que nous, ban ambassadeur, êtes avec nous, de soutenir le parti. Nous sommes capables aussi de dire que dans le public, la démission du parti est très très bien accueillie. Nous faisons gagner beaucoup d'appels, beaucoup de monde interview, à quel point je suis apprécié l'élégance avec laquelle le parti quitte le gouvernement. Donc, nous sommes capables de dire nous bien contents que nous actions leur terrain, l'idée est un accueil favorable. Mais nous sommes contents dénonce la manière brutale qui ban salariés dans Tourism Authority fin gain météo par Michael Sikken. Aussitôt qu'une fin annonce nous départ du gouvernement, même jour, tout de suite, ça va nous perdre famille là, je fin gain, je glisse ou je quitte la Tourism Authority. Or, il est inacceptable qu'il ban du monde traiter de cette façon à cause de couleur politique, de appartenance politique. Et qui plus grave encore, nous sommes contents que toute l'île Maurice connaît qui manière sert ce Gaëtan Duval, Fifi Henry, fin gain ce lettre tout de suite comment nous fin démissionner d'un gouvernement. Pas même de l'île les temps, il y a une liste de démission, c'est ce qu'il faut faire, mais il ne met pas de haut avec aucun manque de respect. Et sa qualité de traitement-là, il dénonce ça. Nous aussi dire à quel point vous montrer que beaucoup du monde appréciait le départ du PMSD, du gouvernement,
Nous avons dire qu'il nous accueille avec beaucoup de joie le retour de Maître Pangloss, Jacques Pangloss. Alors, comment vous finissez déjà, nous ne sommes pas d'accord avec la manière que Michael Stiken fait traiter Badimoun dans ce ministère. Et aussi, Diazot parlera qui est le deuxième volet de la conférence de presse d'aujourd'hui, justement, pour répondre à toute la fausseté qui Michael Stiken fait dire. Alors, nous constatons que le secteur du tourisme à Maurice est en déclin. Nous constatons une dégringolade du secteur du tourisme à Maurice. Et ça, c'est bien grave. Et ce n'est pas nous tout seuls au niveau du PMSD qui peut tirer à la sonnette d'alarme. Pas nous tout seuls qui peut dire qu'il y a un gros problème dans le secteur touriste à Maurice. Rapport AXIS démontrait clairement qu'il y a un gros, on ne va dire un énorme, un sérieux problème dans le secteur touriste à Maurice. Et ce rapport-là, il reprend dans Banjoun, entre autres dans le journal Weekend, que vous êtes capable de lire, qui il y a beaucoup de problèmes dans le secteur touriste. Et il faut qu'il nous rappelle qu'AXIS, c'est une firme qui est indépendante. Donc, par la faute de Michael Stiken, l'industrie du tourisme est en perdition. Dans son rapport, l'AXIS vient soumis avec raison qui ministère pas fait réagir, qui pas fait prendre la mesure qui vise pour redresser la situation. Ils ont dit, nous pouvons aller vers l'industrie du tourisme qui le quality, le revenue, le employment. Et le ministre Michael Stiken est inconscient et les papiers réalisent ça. Après, nous guettons un coup de dotation budgétaire au ministère du tourisme, ça va la dernière année là. En 2011, le ministre des Finances d'alors, qui était Pravin Jagnat, fait une dotation de 390 millions de roupies. En 2012, Xavier Duval, qui était ministre des Finances, augmente le budget du ministère du Tourisme par 90 millions de roupies, soit une augmentation de 23%. Et en 2013, le budget ministère du tourisme est augmenté encore par 7%, soit un total de 515 millions de roupies. Et Libon nous connaît, Libon qui tout Mauricien connaît, qui à la fin de l'année 2013, Michael Stiken gagne l'audace, demande encore 200 millions de roupies. C'est-à-dire pour l'année 2013, les Sikoulés gagnent 700 millions de roupies. Mais le ministère des Finances fait une refuse de nier sa somme additionnelle-là. Et les bons nous connaissent pour qui raison. Raison-là est bien simple. Raison-là est évident parce que sans même l'année que le ministère des Finances gagne une information par un acteur du secteur du tourisme qui, ministère tourisme, peut faire beaucoup de gaspillage, qui peut dilapider ben faux. Casse dans le ministère tourisme peut mal allouer, il peut favoriser ben petit copain, et qui, sous priorité, est mal fixé. En 2014, le ministère des Finances décide pour faire un suivi de l'argent afin qu'il casse là à ce qu'il besoin aller pour sauver l'industrie du tourisme. Pour qu'il peine à gaspillage, pour veiller à ce que l'argent bien servi.
niveau aussi qui nous rappelle qu'en 2012, la croissance en arrivée touristique ici 0,1%. Alors qu'il y a un pays à côté, comme à Maldives, il y a 3% et Seychelles, il y a 7%. En 2013, croissance vint 2,9%. Mais Maldives, il y a 17% et Seychelles, il y a 10%. Et tout cela, malgré qu'il finit en une augmentation de 32%. C'est-à-dire, à fin de l'année, beaucoup d'argent, mais la performance est bien tiguée. Le résultat est bien tiguée. Donc, tout cela vient démontrer clairement, ce n'est pas seulement le PMS qui peut dire, mais Axis peut dire, tout le monde peut dire, que la performance est bien, c'est une piètre performance. Et ne vous a pas oublié qu'Axis aérien, il n'a aucun mérite pour Axis aérien, parce que c'est Xavier Duval qui peut négocier directement pour Axis aérien dans la Chine. Alors, ceci dit, nous ne pouvons pas rester dans les affaires qui ont l'importance. Nous, au niveau du PMSD, nous guettons l'avenir. Et nous guettons l'avenir avec beaucoup de confiance, avec beaucoup de sérénité. Surtout en ce moment, avec l'accueil que nous pouvons gagner en terrain et avec toute sa grande marque de solidarité, avec la confiance que le peuple mauricien place dans le PMSD. Et c'est une bonne raison qui nous organise le congrès. Alors, nous devons faire le congrès ce dimanche-ci, le 22 juin, à Réduit, Octavier. Et nous devons connaître que ce congrès-là, il y a un congrès extraordinaire, spécial. Il n'est pas pareil comme un congrès qui nous est organisé en mai, tout récemment. Ce congrès-là, nous peut inviter tous nos représentants PMSD. Et c'est dans ce congrès-là que nous pouvons dévoiler la ligne conduite du parti, que nous pouvons remplacer le président, parce que les bons qui nous connaissent, qui est Nabandimoun, peut dire que quand nous quittons le gouvernement, quand nous prenons une décision pour démissionner, nous ne pas finir par dans le bureau politique. Mais comment nous ne pas dans le bureau politique quand nous payons un bureau politique? Mais par contre, l'important qui nous connaît, qui quand nous prenons une décision pour nous démissionner du gouvernement, tout va nous office bearers si informer de cela, du cause avec eux. Parce que c'est l'instance qui nous tient. Donc c'est ce dimanche qu'il faut renouveler tout va être instance. Parce qu'il rappelle eux qui le leader pas terroriste. Donc, pas du monde qui peut venir dire qu'il ne peut pas dire d'eux, pas se demander pour une réunion avant qu'il nous quitte. Donc, nous faire ce qu'il nous dit bien faire dans les circonstances dans lesquelles nous serons. Peut-être pas du monde qui peut dire ça, c'est pas du monde qui pas une touche avec le parti. Donc, si tu pas une vol ou pas proche du parti, comment voulez-vous qu'il nous vienne demander qui qu'il faut faire? D'ailleurs, nous ne pas croire qu'il nous vienne nous demander tout du monde qui nous faut faire si nous n'avons pas du monde approprié, compétent à la place qu'il vient pour prendre la décision voulue. Alors, donc, nous vous invite tous nos partisans, tous nos représentants à nos congrès dimanche à Octavier. Et, comme je disais, nous pouvons aussi expliquer qu'il y a déjà un travail ou un programme ou un manifeste électoral. Donc, venez en grand nombre, venez écouter parce que nous avons beaucoup de choses pour nous dire de et pour nous dire toutes les Maurices. Voilà, merci beaucoup. Si alors, bien sûr, le PMSD, comme on nous dit depuis qu'il nous quitte le gouvernement, nous restons conscients dans ce que nous pouvons dire. Nous avons une partie qui est dans l'opposition, donc nous pouvons joindre, nous pouvons causer, nous pouvons écouter, nous pouvons prendre, comment vous dire, ce qui va être partie de l'opposition, peut dire avec les femmes. Bien sûr, nous pouvons agir le temps voulu, le moment voulu.
une autre possibilité qui permet de retourner notre président, retourner avec le gouvernement. Retourner avec le gouvernement. Alors, la réponse est claire, il n'y a aucune possibilité, parce que si nous quittons le gouvernement, nous quittons le principe, nous quittons, c'était une réflexion, c'était bien réfléchi, après mieux réflexion, nous quittons, donc non, il n'y a aucune raison qui fait pour être. Mais ce n'était pas une décision assise par rapport à dimanche, l'alliance post-travailliste, mais même, il n'est pas concrétisé. C'était un peu ce que Xavier Duval disait, c'est une nouvelle Lamoriée. Le post-travailliste s'est intéressé avec la nouvelle Morier. Oh, la nouvelle Morier, pour ce parking, elle nous a dit comme ça. Alors, effectivement, à Maurice, vous trouvez que les événements changeaient du jour au lendemain, mais c'est important qu'ils se connaissent. C'est important que tout Mauricien connaît, qu'il nous mène à une vision. Nous ne parlons pas de ce que les autres peuvent faire. Nous, nos visions, c'est ça. C'est l'île Maurice avant tout. C'est-à-dire, peu importe la décision que nous pouvons prendre dans l'intérêt du pays et dans l'intérêt du peuple mauricien. Pour ajouter un petit peu plus à la décision hâtive, le fait de démissionner, c'est un principe. C'est une question de principe. Parce qu'il nous dit qu'il nous parlait qu'il tous baissent nous aides, si on veut que tous baissent nous aides, remplace-les par notre système qui est aussi assurant le bâtiment, et deuxième, le seuil de proportionnel. Il n'y a pas de décision active, il n'y a pas de décision frivole, il n'y a pas de décision enfant. Non, c'est réfléchi, nous n'allons pas un principe. Et nous ne pouvons pas agir pour si pas un même travailliste peut faire l'alliance ou non. Nous avons nos principes et nous stick à nos principes. Vous ne faites aucune possibilité, même pour le moment, parce que vous n'avez aucune possibilité de faire comme on dit maintenant. Vous ne pouvez pas dire ça. Alors, ce n'est pas une question de zéro. Il y a une question bien claire, bien consistante. Alors, si nous quittons le gouvernement, nous disons avant qu'il nous quitte, nous disons que vous allez arriver une chaise. Je disais que vous avez un programme commun. Donc, parce qu'il y a un programme commun qui nous quitte. Les programmes-là, ils vont toujours épouser nous, nos programmes. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a une possibilité. Est-ce qu'il y a un contact avec MSN? Est-ce qu'il y a un contact avec MSN? Livrer qui nous est une partie de l'opposition et nous répondre avec tous les partis. Mais pas rien dans l'alliance du peuple, il y a une alliance du peuple entre PMSD, MMM et Ivan Colanda Velu. Alors, il est vrai qu'il y a une partie de l'opposition, il y a un contact avec tous les partis de l'opposition. Si vous continuez, ce qu'il y a pour lui, il y a une décision. Bon, ça, c'est pas une décision qui nous prend. Bon, il n'y a pas qu'à faire une solution pour nous capables, mais nous nous dire que nous savons plus, nous nous disons maintenant que nous sommes. Va faire non déstabilise mais ça la concertation qui nous prenons avec la prochaine opposition pour pas nous rejeter on dirait la ville d'y aller mais si elle a pas mal de choses il pourrait pas plus pour ça la conférence de presse Maurice Allais puis le Mambasco de Bacas beaucoup plus que les autres. À côté de Benjamin, qui est Mambasco de Bacas, prend des missionnaires pour le bord, qui fait une Benjamin des missionnaires. Mais où avoir une poudre aussi longue et une secte? Bon, ça passe. Non, mais pour une cause, elle, Maurice Allais. Ok? Qui dit au moment qu'il faut prendre des missionnaires? Ouais. Non, mon démissionnaire pour tout. Mon démissionnaire a passé, mon équipe, mon job. Vous pas être nominé politique MPA. Tu fais application, moi tu fais application, mon passeport a été interview. Mais là, mon gars, ça ne joue pas. Mon quitté, comme mon aîné. Ça aussi pareil, c'est mon job pour payer ça, moi je ne peux pas faire pas mon agent politique. Mais, vous dire, quand je suis dans le gouvernement, mon gars, ça, et mon quitté. Pourquoi pas mon salaire? Allez, écoutez, cause de mon salaire, t'as même bien pitié. Bien pitié. Certains, comme ça, il y a des gens qui ont fait pour prendre de presse, ils ont fait une élégante pour aller s'allier pour prendre de presse pour le monde. Ça fait petit. Mais c'est que j'ai envie de dire le mot salé.
Mais tu connais que nous devons mettre dehors au président. Xavier t'a appelé. Tu dis à lui, Maurice, tu n'as pas pu faire non, rien d'abord. Tu te places cette place comme président. Les là, il plaît, dit à Xavier, tu connais mon verre réconciliation, tu as dit, moi, dehors. Pour pitié, il ne laisse lui rester président. Et ça, congrès que tu peux faire, tu m'en là. Ça, congrès là. Si tu appelles ça congrès là, pour mettre Maurice Allais dehors comme président. C'est pas tant de finir à aller, à tenir le corps, on est là pour nous remplacer. C'est ça la vérité, vous savez. En tout cas, je ne vais pas oublier de dire non, rien, quand vous faites ma médecine de vie, ma cause. Ça fait sur la seconde, qui arrive, vous savez. Mais qui fait les plus qu'il a, dans la vacance, plus, qui fait, il y a quelque chose pour vous, et puis il y a quelque chose qui part. Non, on va connaître qui fait. Mon petit secrétaire général, quand il s'est fait. Et ça aussi, vous posez. Ça aussi, vous pouvez dire qu'il fait. Mais, on n'est pas content de nos camarades. Quand nos camarades nous font la route ensemble, quand nous séparons, Xavier, il nous fait la leçon la dernière fois. Quand nous séparons élégant. Hein, pas besoin de tout la passesse. Moi, je vous propose de vous saluer. Mais qui ça vaut? Est-ce qu'il est important pour nous les Maurice connaît qui vont vous saluer, qui va qu'il fait, pas faire? Non, pas important. Important, c'est pour nous, qui nous fait pour les Maurice, qui nous fait pour nous abandonner cela, qui nous fait pour nous abandonner qui fait le travail là. C'est ça qui est important. Ouais. Laisse-moi vous saluer, c'est quoi? Alors, c'est important, rappel, ce qui, comment on peut dire, le plus important, c'est que la quantité d'immunes qui finit suivre nous. Nous trouvons beaucoup de partis politiques qui finissent démissionner, qui finissent aller, qui finissent quitter, mais il y a ce parti monde qui finissent rester. Nous finissons capables de la quasi-majorité du monde du PMLC qui finissent solidaires avec le leader, qui suivent le leader, qui finissent avec le leader, qui finissent d'accord avec son choix. Donc, c'est tellement insignifiant quand c'est du monde qui finit rester, qui n'est pas pour la peine de cause. D'ailleurs, ça va du monde a montré qu'il se fait de l'intérêt personnel avant de guider l'intérêt pays, avant de guider l'intérêt parti. Ça va du monde a fait montrer qu'il se fait plutôt attacher avec ce poste de travail et surtout avec ce poste de travail et avec ce poste, avec ce privilège. Alors qu'il nous, c'est en déphasage avec le parti. Permettez de venir dire à l'île Maurice avant tout, nous avons une grande vision pour ce pays-là. Nous pouvons dire, nous mettons beaucoup plus l'emphase aux mal jeunes. Comment nous sommes capables de redresser le pays? Et ce que nous pouvons dire, au lieu de dire pays avant tout, nous pouvons dire moi avant tout. Donc forcément, il y a un clash entre notre vision et avec nos visions. Donc, pour nous, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que l'avenir est vraiment pour le PMLC. Et nous, nous pouvons vraiment embrasser l'avenir et nous pouvons travailler pour le pays. Donc, Bandimoun qui fait envie reste dans notre poste pour notre intérêt personnel, ça, n'est pas conscient. Oh, je pense que c'est un bon débat. Un bon débat. Maurice Allais, nos mères projets, un bon départ. La politique, c'est pour servir, non pas se servir. Justement, Pétien, bon débat, je t'avais demandé est-ce que la réconciliation, finalement, c'est pas surtout récupérer le symbole et le mot choisi, et qui a fait le palette de la. Vous allez l'exclure pour lui-même. C'est rien qui démissionnaire. Vite démissionnaire. Quand le parti inallé, leader inquitté, tout le monde inquitté. Et voilà. Bon, ça allait déjà donner un temps de réflexion. Les vous causez au Premier ministre. Si le Premier ministre y allait rester, il restait. Si le Premier ministre y allait, allez y aller. Et toi. Ça allait dire, comme il ne peut pas parler. Nous avons pour nous un bon départ. Il y a l'homme de la motion de censure qui est l'opposition. Puis, est-ce que nous commencerons sur l'un de l'opposition du PMSD si jamais une motion de censure contre le Premier ministre actuel? Alors, nous, au niveau du PMSD, nous disons que les élections, plus les élections arrivent, mieux c'est pour le pays.
et concernant sa motion de censure et tout ce qui concerne l'actualité, d'une congrès mange ce plus tard. Non, on dit nous en contact, nous avons une motion de pour agir, parce que nous aussi une motion de blanc pays, nous pour agir par conséquent. Alors, c'est... Mais dis-moi qu'il nous saute vraiment une ligne dans l'opposition. De facto, nous sommes partis d'opposition. De facto, il n'y a pas de... Si nous finissons, nous disons toi qui nous proposes Octavien. Et toute la population qui nous connaît qui nous propose Octavien. Il n'y a pas de sens qui nous fait comprendre. Non, ça commence. Dimanche, c'est important. L'idée, il a un grand message. L'idée de nous actions futures politiques qui nous ont fait. Ça qui est important, nous l'action future politique. Côté tout, nous capables, maman toi, nous cachons boule tout le jeu politique. T'as compris, je pense que nous ne pouvons pas faire ça.